Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre SP sur WWE 2K22. Alors, on va essayer de faire notre match de la dernière fois qui n'a pas marché. On doit du coup utiliser RS sur le ring lorsque Nakamura est étendu sur le sol pour le couvrir. Et il est censé se passer quelque chose. Du coup, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et dans votre famille et en général, quoi. Voilà. Et sinon, on est parti pour continuer. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait vraiment très plaisir. Allez, go! Donc, pour l'instant, d'accord. Bon, d'accord. Bien fait. Ok. Alors, oula. Ok. Ok! Aïe, 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 aïe. Ouh là là. Déjà, mais non, pas déjà. Mais pourquoi il se lève? D'accord. Bon, non, mais il me propose. Non, mais sérieusement. Bah, non, mais il a vraiment cru qu'il allait me. Mais non, mais n'importe quoi. Mais hé, hey, ça suffit! Stop! C'est une soumission là? Non mais hé, hey, Kinsuke là! Putain, il m'a mis mal! Je suis dans le rouge! Je suis dans le rouge! La vache! Il m'a mis mal en même pas 5 minutes de match! Du coup, normalement demain, donc si la vidéo est bien publiée demain, donc mercredi, enfin. La vidéo sera publiée du coup mardi. Mais si tout se passe bien, mercredi du coup, il y aura une nouvelle carrière sur le mode univers. Donc on va jouer un catcheur. Est-ce que je vais être gentil, je vais dire le nom du catcheur. Hein. Alors dans le mode univers, on va jouer le mode, superstar. Donc c'est-à-dire qu'on va jouer un catcheur. Et puis bah voilà, on va jouer un catcheur et on va essayer d'avoir tous les titres. Et du coup, on va jouer Dolph Ziggler. Je me suis dit que voilà, autant prendre une superstar en ce moment qui sert de jobber. Et on va essayer de voilà, on va essayer d'avoir tous les titres de NXT et de Raw. On va commencer à Raw, bien évidemment. Voilà, pour une question de pratique. Alors, dans le mode univers, il y a deux modes, c'est-à-dire qu'il y a le mode du coup catcher et le mode classique. Alors, on va devoir switcher entre les deux modes parce que si je veux changer mon classement pour le titre, il faut que j'aille dans le mode normal. Parce que je peux pas le faire depuis. Voilà, je peux pas changer de classement si je veux être dans le classement pour le titre WWE. C'est pas possible. Mais voilà. Je peux pas. Mais. Donc en gros, on va jouer le catcher et tout. Mais si je veux, je sais pas moi, changer de classement pour rejoindre les titres des États-Unis. Je vais devoir. Il est chiant lui, hein, Shinsuke, putain. Je vais devoir. Oh oui, le botac. Je vais devoir du coup changer de mode. Bref. Bah, je comprends pas. Ça marche pas, en fait. Vous devez couvrir. Bah, je comprends pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais Naomi, mais putain, mais fais quelque chose de ta vie, sérieusement. Non, reste là, Naomi. Bon, bah, tu peux partir, Naomi. Mais Naomi! Mais non, mais Naomi, mais quelle pétasse! Mais non! Mais non, mais quand je dis reste là, c'était genre vraiment 2 secondes, hein! C'est juste, et voilà! Une fois qu'il m'a contré, tu peux repartir! Mais non! Mais non! Oh! Mais non, mais je vais jamais y arriver! Je vais jamais y arriver. Mais je crois qu'il y a un bug en fait. Ma carrière va s'arrêter là. Vous devez couvrir. Bah oui, bah, c'est ce que je fais quoi. Je l'ai couvert là. Normalement, il est censé se passer une cinématique ou quelque chose. Je ne suis pas fou quand même. Shinsuke not
Nakamura needs to figure out a solution. Nakamura struggling with this onslaught. He's absorbed some damage already. Shinsuke might be able to start mounting something here. Ouais. Bon bah là les amis, je ne sais pas. Hein. Déjà 5 minutes de combat. Franchement, je vais peut-être faire une ellipse le temps qu'il se passe quelque chose. Je réfléchis. Mais non, mais là, voilà, il est couvert là. Pourquoi il compte? Il doit pas compter normalement. Il doit se passer quelque chose. Parce que si je gagne le match, on va me dire objectif échoué parce que blablabla. Je pense, hein. Mais allez, voilà. Mais ouais, non, pour le coup, c'est bizarre. Vous devez couvrir un Nakamura. Mais ça sert à rien que je gagne avec Naomi. Bon bah écoutez les amis, on fait une toute petite ellipse, on se retrouve une fois que j'ai la solution. Ok, re tout le monde, non en fait j'ai compris, il faut gagner le match, autant pour moi. Il faut gagner le match, mais c'est pas clair. Je suis pas d'accord là-dessus. C'est pas clair du tout, en fait on doit gagner mais en faisant le tomber sur Shinsuke Nakamura. Alors là je suis désolé, je suis pas d'accord. C'est mal expliqué, vous devez couvrir Shinsuke Nakamura. Enfin moi j'ai l'habitude des jeux comme 2K quoi, c'est déjà, voilà. Comment dire? Vous devez couvrir, je pensais qu'en fait, juste en faisant le tomber, je pensais que, comment dire, bah que il allait se passer une cinématique, tu vois. Touquet le fait tout le temps, ça, en fait. C'est pour ça que c'est un peu mal expliqué, parce qu'ils disent pas, vous devez gagner en faisant le tomber sur Shinsuke Nakamura, mais vous devez couvrir Shinsuke Nakamura. Genre, moi, je m'attends à juste le couvrir une fois et à ce qu'il se passe une cinématique, tu vois. Voilà, ok, d'accord. Ah bah c'est pas clair du tout en tout cas. Ce n'est point clair. Bon, au moins on a compris. On a compris, donc on va essayer du coup de dominer du coup. Ok. Bon bah moi je sais comment faire. Allez, bim bam boum là. Allez, mais lève là, Naomi. Soit arrête d'être nulle comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est nulle, celle-là. Ah, là, là, là. Allez. Hop là. Putain, elle est chiante, cette peste. D'ailleurs, petite anecdote, petit sondage. Quel catcheur vous aimez le moins en ce moment? Genre, quel est le catcheur que vous ne supportez pas? Ça peut être un heel, ça peut être un face, ça peut être tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire la personne que vous détestez. Vraiment, moi, c'est Asuka. C'est Asuka, je pense. Je n'arrive pas avec. Non, attends, c'est qui? Non, pardon, c'est Ronda Rousey. Oh là là. Pardon? C'est possible de se faire contrer? Ah ouais? C'est possible de se faire contrer cette prise? Mais je savais pas moi. Ah c'est possible de se faire contrer cette... Ah d'accord, c'est possible de se faire contrer. Ah bah je pensais que la prise pouvait être contrée qu'au début moi. Ah d'accord. On peut se faire contrer d'accord. Tu me poses une colle là. Ouais. J'ai essayé, je m'y attendais pas trop. Donc là, ça va être stratégique. Pour faire tomber sur Shinsuke, parce qu'en fait, quand on joue une nana, quand on joue Naomi, quand on joue une superstar féminine, on peut attaquer. Ah, d'accord. Ah! Ah! Ah là là! Ouille! Aïe! Aïe! Ouais, c'est mieux Naomi quand même. Allez hop, toi tu dégages. Mais en fait, parce que je dois faire le tomber avec Shiroi. Donc le but c'est de laisser Shiroi se reposer pour qu'il soit dans le vert. Et ensuite, de tout simplement de faire la prise à deux pour qu'Asuka soit à l'extérieur du ring et paralysé du coup.
Et voilà quoi. Il n'y a aucun, honnêtement, il n'y a aucun risque. Voilà. Wouh! Ah, Asuka, mais putain, mais elle est casse-couille celle-là. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'elle me gonfle! Ah, saloperie, va! Ah, elle est chiante, hein! Ah là 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 là! Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante! Mais laisse-moi me relever, putain! Ouh, voilà! En fait, ce qui m'est. Oh là 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 là! Oui, je rage! Je suis énervé! M'énerve! Je rage! Qu'est-ce que je rage? Ok! Bon! Oh là 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 là! Oh là là, le coup de cul! Non mais. Oh, c'est un sacré combat là! Oh! Ah ouais, mais non, 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 il ne faut pas du tout la soumission! Il ne faut pas la soumission, putain, Naomi, tu sers à rien! Tu sers à rien dans ce match, putain! Je sais pas pourquoi. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle sert à rien celle-là? Oh mais merde! Ah! Mais. Non mais c'est un truc de ouf de contrer comme ça! Ah mais laisse-toi faire, putain! Ah mais. S'il vous plaît, aidez-moi, je vais rager. Allez! Ah, arrête de faire. Mais non, mais. Ouh! Naomi, sert à quelque chose dans ta vie là? Qu'est-ce qu'elle est nulle, Naomi, quand même, quand j'y pense. Allez, vas-y, voilà. Voilà! Bon, par contre, faut juste pas qu'il contre. Faut juste pas qu'il contre. Le plus dur, c'est de ça. Ça va être de faire le spécial. Oh, mais en plus, il y a un bug. Bah ouais, mais si le jeu est contre moi aussi, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Le jeu est contre moi. L'autre, elle devait. Non, mais non, ça se fait pas par contre. Non, Asuka devait rouler par terre et là non. Je suis pas d'accord. Ah non, non, honnêtement là je suis pas d'accord. Honnêtement ça va m'énerver. Ça va vraiment me gaver. Donc ce qu'on va faire. Mais non! Mais qu'est-ce qu'elle est. Mais qu'est-ce qu'il est con. Allez, mais Naomi! Mais putain! Mais viens là! Ouh! Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle est nulle! Ah ma parole! C'est un truc de ouf ça! Bah ouais, allez, putain. Oh. Ah, c'est dur, hein. Ah là là. Mais wesh, mais Shiroi, mais... Ouh. Quel jeu de merde, putain. Ah là là, ce jeu de merde. Oh là là! Oh ce jeu de merde! Oh là 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 là! Allez! Ouais bah ouais, il se dégage, tu m'étonnes! Il faut qu'Asuka roule à l'extérieur. Je n'ai pas le choix, il faut qu'Asuka roule à l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre là. Oh, saloperie de japonais. En vrai, j'allais dire, je t'aime bien, Shinsuke. En vrai, non, Shinsuke, je l'aime bien. C'est dommage, par contre, qu'il soit plus... comment dire. À l'époque, quand il a commencé... D'accord. Attends, je me concentre un petit peu parce que là, il veut pas se laisser faire, le monsieur. À l'époque, quand il a commencé, il était pas mal. Et en fait, c'est dommage qu'il soit rendu à son niveau, en fait. Enfin, à l'époque, j'étais un peu fan de Nakamura, tu vois, je l'aimais bien. Il était cool et tout. Mais là, c'est vrai que...
bof quoi. Son personnage est un peu toujours le même. Même en heal, il est toujours le même. Il n'y a pas vraiment de grands changements quoi. Voilà, je pourrais gagner le match du coup, mais non du coup. Du coup là faut attendre le japonais. Le japonais Shinsuke Nakamura là. Non, en vrai il est cool. Il est cool mais c'est vrai que son personnage j'ai un peu de mal en ce moment. J'ai l'impression que c'est toujours le même depuis bah, depuis qu'il catch en fait. Alors je veux bien hein, que ce soit son personnage et tout, mais c'est vrai que c'est un peu Ah bon stop. T'es mignon ma poule mais stop. Et pourquoi elle le prend, elle la prend pas là? Mais que... Ouh, Naomi. Voilà, c'est l'occasion pour Asuka de tomber par terre dans les vapes. Si du moins il nous contre pas. Hein. Donc là, on va attendre, on va reculer. Ah, oh, c'est parfait. C'est parfait. Vas-y, vite, le tomber. Vas-y, arbitre. Vas-y. 1, 2. Ah. Oh, secours. Ah la vache, c'est compliqué celui-là. Hein. Oh là là, il était compliqué. Oh là là, attends, 10 minutes de vidéo, ouais. Enfin, même pas, parce que j'ai fait une coupure entre temps, donc 5 minutes plus 15 minutes de match, non. Impossible. Ok. Bon, on se retrouve tout de suite, les amis, après le temps de chargement pour bah, gagner du temps. Alors, félicitations à mon incroyable femme Naomi d'avoir gagné le Mix Max Challenge. J'aurais aimé être là avec toi, mais je suis fier de toi, Jimmy. Merci, bébé, on a fait ça à deux avec Shirokami, c'est vrai. Ouais, ouais, attention. Hein. Ok, donc ça, c'était déjà vu. Ok. MP, du coup. Non, ok, y a pas de... D'accord. Donc là, on va parler avec Naomi. Let's go. On a réussi. C'est moi qui ai réussi, techniquement. C'est sérieux? Détends-toi, je plaisante. On a fait ça en équipe. Ouais. Mais ouais. Même si on s'est retrouvés ensemble à la dernière minute, ça a bien marché. Donc en tant que MJ de SmackDown, je vais m'octroyer un match pour... L'Universal Championship contre Roman Reigns. Et toi, tu vas faire quoi? Un match dans le noir en mode fluo? Très drôle. Non, je vais reprendre mon titre de SmackDown féminin. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas soulevé l'or. Merci de m'avoir aidé à arriver jusqu'ici. Et bonne chance contre Roman, il est de la famille, mais je ne t'en voudrais pas si tu arrives à le battre. On se reverra et merci encore, je dois appeler Jimmy. D'accord. Me dis pas qu'on va avoir un match pour le titre de Roman Reigns tout de suite. Eh, je vais péter un câble, hein. Si le scénario nous propose un match contre Roman Reigns... Bah non. Je refuse. Ah, je refuse direct. Ah, un peu ça. Bah non, mais là, c'est quoi ce mode carrière? On se retrouve tout de suite, les amis. Wesh! Attaquer Roman pour lui... Ah ouais, ouais, ouais. Alors attends, on va recommencer, parce que j'étais pas prêt, excusez-moi. En plus, là, c'est Roman Reigns, hein. C'est pas n'importe qui, hein. Et je suis un peu dé... Non. Alors, c'est pas un match pour le titre. Mais bon... Si j'arrive pas, je vais changer la difficulté parce que là, j'ai l'impression que je galère à tout, en fait. Merde. Non, qu'est-ce que je fais, moi? Ok, là, je suis concentré un petit peu. Donc oui, non, là, à mon avis, il y aura une rivalité, on va aller au Rumble, on va gagner le match, on va devoir gagner le Rumble en espérant qu'on passe pas premier non plus. Et ensuite, on va choisir Roman Reigns pour WrestleMania, et blablabla. Peut-être affronter des genres, des légendes Goldberg, ou bah non, Undertaker, c'est déjà fait à Raw, qu'est-ce que je suis con. Mais je sais pas, moi, un The Rock, hein, je sais pas. Ils sont tellement inimaginables que...
que je sens que le scénario de 2K il va partir en couille très très rapidement. Vas-y, 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 bam, dans les parties génitales, bim. Et le saut carpé, pas du tout, c'est pas un saut carpé ça. Ok, il est paralysé, c'est là que je dois en profiter. Vas-y, bim. Faites une prise à Roman sur le ring. C'est pas compté comme une prise, ça? D'accord. Oh, oh, allez! Non, c'est pas comme... C'est pas compté comme une prise. Ok, donc ça veut dire qu'il faut le prendre. On fait ça. Voilà, ok. Oh, cinématique. Il y aura les Usos, tu vas voir. On respecte bien la réalité! I'm guessing he's not here to congratulate his wife's replacement partner on winning the mixed match challenge. If things had gone differently, this could have been Uso's championship opportunity tonight. Look out, Roman Reigns. Superman punch. It's all over. Roman Reigns has managed to hold on to his Universal Championship. Yeah, with a major assist from his cousin. Là par contre ça représente bien la réalité. C'est un peu moins ça par contre. Ok. Bon là on se retrouve tout de suite les amis. Alors... Oui, mais laisse pas remonter en haut, peut-être. Ok. Alors, voilà ce qui arrive quand on s'approche trop près de ma femme. On a gagné le tournoi parce que tu es blessé, c'est ça que tu appelles trop près. C'est moi qui aurais dû la serrer dans mes bras après la victoire et tenter de décrocher le titre. T'es arrivé à la dernière minute alors que c'est moi qui fais tout le boulot. J'en ai assez de me taire. C'est quoi ton problème, Jimmy? On était partenaires, rien de plus. Comment ça, t'as fait ton boulot et moi alors? T'as été j'aime une soirée, t'aurais pu m'intégrer dans le match décisif en organisant un triple menace. Mais non, t'étais trop occupé par toi et ton copain. Ça suffit, c'est trop tard, le mal est fait. C'est vrai, j'espère que t'as aimé passer du temps en convalescent chez toi parce que tu vas y retourner. Ok, ok. J'en ai ma claque, laissez-moi en dehors de ça. Maintenant, ok, d'accord. Ben voilà! Allez, Jimmy, je vais te défoncer un petit peu. Allez, c'est parti, let's go! Oh, j'en ai marre de faire des faux départs, putain. Ça m'énerve. Bon, oh, tout le monde. Ah bah là, bon bah là, c'est un faux départ, mais à deux, donc ça me va. Ça me va. Allez hop, par contre, toi, tu te calmes direct, Jimmy. Ok, bon bah, moi, je me calme direct, visiblement aussi. Mais Jimmy, tu comprends pas, hein. Tu es nul. Championship match. Now they look to settle their differences here tonight. Olé. Olé. Allez, allez. Ok. Ok. Non, ils contrôlent beaucoup plus les IA, c'est moi ou en difficile, voilà quoi. Alors pourquoi je joue pas en légendaire? Parce que je suis pas encore prêt. En difficile, des fois je galère à mort et je me dis en légendaire c'est infaisable pour moi, du moins pour l'instant. Après on fera la carrière femme, hein, bien évidemment, hein, la carrière woman. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura encore pas mal de let's play sur le jeu à faire, entre le mode univers, mode carrière, la carrière femme, et voilà. Ça va être long quoi. Arrêtez, putain il est chiant hein. Ah il est chiant. Oula, oula, oula. Un, deux, et je... Trois, allez hop. Ok, parfait. Ah d'accord. Raté. Bah là, bah oui, bon bah là non. D'accord, oui, non mais d'accord, ok.
Allez, youhou! Un peu d'encouragement, ça fait plaisir quand même. Bon, là, on va attendre parce que. Ouais, voilà, il nous contre un peu facilement donc. Vas-y, lève-toi, Jimmy! Ousso! Attends, je suis vraiment en train de me moquer de la reprise là. Et hop là! Ça dégage! On doit faire quoi? On doit gagner ou perdre? Ok, terminé le match. Leroyou! Oh, excusez-moi, j'appelle mon chien. Hop là, excusez-moi. Voilà, alors est-ce que je peux faire maintenant mon finisher? Oui, oh bah. C'est parfait, allez. Bah alors là, s'il se relève, je ne comprends pas. Ça fait le talent, ça. Nawin. Waouh. Tout ça pour que Shiro Okami et Jimmy Uso voulaient prendre ma place. Je peux pourtant vous assurer que ce n'est pas tous les jours l'éclate. C'est fini entre nous, Shiro Okami. Si tu trouves un partenaire jaune, nous serons ravis de vous accueillir au Uso par Penetrature, ton ami imaginaire et toi. D'accord. Scénario, d'accord, il n'y a pas grand chose. On va voir ce qu'on peut aller dans le lieu. Salle de billard. Bon, on peut aller dans la salle de billard. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, mais on peut y aller. On va y aller, on va voir. Je pense quand même qu'on va s'arrêter là, les amis. Je sais pas, ça fait combien de temps. Oh, ouais, on va peut-être faire un match ou deux. Oh, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Parce que je pense qu'après, la prochaine étape, ça sera un nouveau scénario. Donc. Donc bon. D'ailleurs, on peut pas être champion par équipe, j'ai remarqué, c'est triste. Drew Gulak, tiens, on va lui parler. Hey, je voulais te parler. Je sais que t'as assuré pas mal les sens McDonald, j'ai quelques critiques constructives à toi si t'es assez mature pour enquêter. Je pense que oui. Vas-y, abrège. J'ai enquêté quelques failles chez toi, plusieurs même. Et si tu combles pas ces failles, elles vont s'agrandir et tu ne seras jamais au niveau supérieur. Vraiment? Oui, vraiment. Tu peux ignorer ce que je dis et accepter d'être médiocre ou tu peux suivre mes conseils, t'entraîner dur et t'améliorer. C'est pas trop. C'est quoi l'intérêt pour toi? Outre la satisfaction de t'aider à développer tout ton potentiel, peut-être un partenaire d'équipe, mais seulement si tu acceptes mon aide et que tu corriges tes points faibles. Je peux te faire une présentation pour t'aider à voir. Pour t'aider à y avoir plus clair si tu veux. Ce ne sera pas nécessaire. Alors, c'est quoi ta réponse? Ouais, je t'attends. Génial, je vais te proposer une série de challenges. D'accord. Et bon, on va s'arrêter là, les amis, pour cette vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Je sais, elle était très courte, veuillez m'excuser. Mais voilà, en tout cas, on aura bien galéré au début. On aura vraiment pas mal galéré au début. Et puis, bah ouais, c'était un peu compliqué, mais ça va. Du coup, on se retrouve vraiment très bientôt. Désolé que la vidéo soit assez courte. 20 minutes, même pas, je pense. Mais on se retrouve très bientôt pour la suite. Et bien évidemment, la vidéo sera plus longue. On va essayer de faire 30 à 40 minutes la prochaine fois. Et demain, on se retrouve pour un épisode de ma carrière sur le mode univers. Donc voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve du coup très bientôt. Allez, bye bye tout le monde et portez-vous bien.